Les amis, aujourd'hui, je vous explique, je vous montre comment nous faisons parvenir nos superbes variétés à travers l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le tour de la Guinée-Conakry, du Bénin, du Sénégal, que nous allons expédier notre semence. Ça, c'est du super charge, les amis. Là, c'est une variété qui produit énormément. Vous voyez? Énormément. Si on peut dire même énormissime. Hein? Voilà, notre client nous a sollicité pour avoir notre meilleure variété. Et la bonne nouvelle, c'est que à travers cette vidéo, nous allons vous annoncer, ou nous vous annonçons, que très bientôt, nous allons venir vous rendre visite à tous ceux qui nous ont sollicité, qui ont acheté nos semences, qui nous font confiance, qui nous suivent. On va faire une tournée africaine. C'est vrai que pour le moment, nous sommes un peu surchargés avec le travail, mais quand ça va baisser là, on sera un peu en saison sèche. Parce qu'en saison sèche, le travail est réduit un peu. Là, on fera une tournée africaine pour venir soutenir nos clients, nos partenaires, nos abonnés qui nous ont fait confiance. Donc, continuez le mouvement. Ce n'est pas en vain, les amis. On pense en vous et on fera vraiment notre devoir, les amis. Voilà. C'est pourquoi nous vous demandons beaucoup de vigilance. Avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, beaucoup de vigilance, les amis. Vous voyez, parce que plusieurs personnes m'appellent et me disent, oh, il y a trop de petits loups là que tu as créés, affirmatif. On le voit là et puis ils viennent commencer à dire, bon, je vois que le mot n'est pas très approprié pour dire dans la vidéo. Mais vous comprenez déjà où je vais en venir, les amis. Donc c'est pourquoi nous vous demandons beaucoup de vigilance. Il faut travailler les experts. Il faut travailler les gens de bonne moralité. Il faut travailler les gens de foi, de bonne foi. Vous voyez, les amis. Voilà, il faut travailler ces gens qui ont une référence. Vous voyez, notre référence, vous voyez, nous sommes là avec vous. C'est vrai que tout ne nous sourit pas et tout n'est pas aussi mauvais aussi de notre côté, les amis. Donc, on a du challenge, nous sommes là, nous sommes en chemin et on va réussir devant vos yeux et on va réussir tout ensemble. C'est pourquoi nous prenons la peine pour vous montrer nos échecs, pour que ça ne vous décourage pas, les amis, pour que avant que vous commenciez ce domaine, vous savez. Vous apprêtez déjà en conséquence parce que tout n'est pas seulement bon et tout ne sera pas toujours bon. Il y aura toujours le moment où vous aurez des difficultés, où le moment où on va vouloir vous tomber sur les pieds. Mais ne pleurez pas, relevez-vous. Parce que parmi d'entre vous qui avez lancé, je sais, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de parler ou de faire des vidéos, je sais qu'il y a des gens qui ont connu beaucoup d'échecs et qui connaissent beaucoup d'échecs et sont silencieux. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que nous sommes encore debout et qu'on ne va pas laisser la bataille malgré des petits trucs qui se passent derrière. Ok les amis, donc vous allez vous voir un peu comment nous acheminons nos produits dans ces divers pays là. C'est vrai quand même que pour, dans ce business ou dans ce parchemin, pour les réalités, il y a un peu de problèmes au niveau de l'aéroport. Parce que il y a souvent, vous savez que l'aéroport, c'est comme ça, non, les amis. Donc, on a souvent ce petit retard, ces petites informations. Mais c'est du business. C'est du business. Et ça peut arriver. Vous voyez. Donc, il faut juste être bien informé avant de commencer à vouloir faire les à vouloir expédier. Si vous avez besoin d'une commande ou d'une de nos variétés, il faut souvent nous signaler à temps pour que nous aussi on puisse faire des réservations. Au niveau de l'aéroport, parce que quand on commence à prélever ces boutures là, les amis, comme vous avez vu là, il ne faut pas que ça reste longtemps. Vous voyez, comme on a prélevé là, les jours sont comptés et on ne dort plus. À partir du moment où on a reçu une commande, on ne dort plus jusqu'à ce que le client reçoive sa marchandise. Vous voyez, et nous avons envoyé plusieurs en Guinée, au Bénin, on a des plantations qui existent déjà, les amis. C'est pourquoi nous avons dit qu'on va faire un tour pour faire cette tournée là. Pour venir soutenir tous ceux qui nous ont fait confiance jusqu'ici. Bon, également, on a aussi les grands acheteurs
que les clients nous ont sollicité. Donc ça c'est l'association Boutu de poire Grenadite. Ces boutures, s'ils vont faire germer, les Grenadite pourront planter ça maintenant. Vous voyez, pour que ça puisse commencer à croître. Vous voyez, c'est avec arrache-pied. C'est avec arrache-pied, même dans la nuit, nous conceptionnons la commande de notre partenaire. Et pour qu'enfin, il soit vraiment satisfait, les amis. Soit vraiment satisfait. Et c'est la clé du business. L'assurance, la satisfaction, la confiance, c'est tout ça qui fait grandir un business, les amis. Là, c'est nos graines que le client doit planter. Et vous savez qu'il y a encore temps, non? Vous savez qu'il y a encore un peu de temps pour planter ces graines-là. Donc, du coup, il faut les faire au moment. Moment venu, il faut les faire au moment venu. Si vous avez déjà dit que vous allez vous lancer et que vous sollicitez les graines, il faut le faire parce que bientôt les puits là vont finir. Et ensuite, si les puits finissent, vous n'aurez plus la possibilité. C'est jusqu'à l'année prochaine. C'est vrai quand même qu'il faut prendre son temps pour faire une certaine étude, vous voyez, les amis, afin que ce soit possible. Donc, nous mesurons d'abord ici par nous-mêmes. Vous voyez, les amis, nous mesurons d'abord ici par nous-mêmes. Ici, on a alors de 45 kilos. Les amis, voilà, 45,92. Donc, généralement, ils vont considérer 46 kilos au niveau de l'aéroport. Donc, nous, on pèse d'abord.